Mes chers amis, bonsoir et bienvenue à ce nouveau QCM que je vous ai préparé pour aujourd'hui. Quelle est l'anomalie cytogénétique qui est toujours retrouvée dans une leucémie myéloïde chronique? La translocation 9-21, la translocation 8-21, la translocation 11-14, la translocation 15-17 et enfin, aucune de ces réponses n'est juste. Dans l'ALMC, le karyotype standard retrouve dans 95% des cas une anomalie chromosomique appelée chromosome Philadelphie ou Phi1. Ce chromosome Philadelphie est dû à une translocation réciproque et équilibrée entre le chromosome 9 et le chromosome 22. Cette translocation aboutit à une cassure au niveau de la partie télomérique du chromosome 9 contenant l'oncogène Abelson. Ce gène Abelson va se juxtaposer à une région sur le chromosome 22 appelée BCR, Break Cluster Region, aboutissant à la formation d'un chromosome 22 plus raccourci. Cette juxtaposition de la région BCR et de l'oncogène Abelson va aboutir à la formation d'un gène dit chimérique BCR-ABL. Ce gène chimérique va coder pour une protéine chimérique qu'on appelle la tyrosine kinase chimérique. Le chromosome Philadelphie est retrouvé dans 95% des cas de leucémie myéloïde chronique. Mais dans 5% des cas, le Phi1 n'est pas retrouvé tel quel, mais impliqué dans des translocations plus complexes qu'on appelle le Phi1 masqué. Au diagnostic, le Phi1 est généralement isolé. On ne retrouve pas d'autres anomalies, mais parfois, on retrouve une ou plusieurs anomalies associées, telles que la trisomie du 8 ou du 19, une duplication du Phi1, une anomalie du 17. Ces anomalies correspondent à une évolution clonale ou à une accélération. Le chromosome Philadelphie est retrouvé dans toutes les cellules myéloïdes et lymphoïde B, mais beaucoup plus rarement dans les lymphocytes T. Les points de cassure sont regroupés entre 1B et 1A sur le gène Abelson, alors qu'il existe plusieurs régions de cassure sur le BCR. Déjà, l'expression Break Cluster Region correspond à une région où se regroupent plusieurs cassures. La région grand M BCR ou Major BCR est majoritairement impliquée dans la LMC où l'ARN chimérique BCR-ABL est traduit en une protéine de fusion de 210 kilodalton. Cette protéine a un pouvoir oncogénique avec une très forte activité tyrosine kinase. La région petit m BCR ou Minor BCR est impliqué dans 0,4% des LMC, où le transcrit produit la protéine P190. Par ailleurs, le petit MBCR est retrouvé dans environ 2/3 des LAL avec Philadelphie positif. La région MU-BCR, appelée encore micro-BCR, est impliquée dans 0,1% des LMC. Dans ce cas, le transcrit produit une protéine de 230 kilodalton et associée à la LMC à polynucléaire neutrophile, c'est-à-dire que l'expansion est essentiellement des polynucléaires neutrophiles avec une thrombocytose, parfois supérieure à 1 million de plaquettes par millimètre cube. Et l'évolution de cette LMC à polynucléaire neutrophile est beaucoup plus indolente que la LMC classique et a une tendance moindre à se transformer. L'activité de la tyrosine kinase du BCR-ABL est très augmentée. Cette activité peut atteindre 200 fois par rapport à celle de l'ABL seule. Et cette tyrosine kinase a au moins deux effets dans la LMC. Premièrement, elle entraîne une stimulation des voies de signalisation et de prolifération, augmentant la prolifération en diminuant l'apoptose. C'est-à-dire, elle va entraîner une augmentation des compartiments myéloïdes. Le deuxième effet est sur la modulation des réponses aux lésions des acides nucléiques et des mutagènes via les ROS, ou les radicaux libres oxygénés, qui provoquent une instabilité
génomique, des mutations supplémentaires, un dédoublement génique, des translocations et des cassures chromosomiques supplémentaires. En fait, les thérapeutiques développées de nos jours visent à bloquer cette tyrosine kinase chimérique. Et les médicaments prescrits aux malades sont appelés les anti-tyrosine kinases de synthèse, ou les ATK. Il existe plusieurs générations d'ATK, telles que les Matib et les Matinib, qui sont des ATK de première génération. Donc, pour répondre à notre QCN, je rappelle que le chromosome Philadelphie correspond à une translocation 922. Donc, aucune de ces réponses n'est juste. Voilà, ce QCM est terminé. Il ne reste qu'à vous dire au revoir et à demain.